declare the National Science Week 2017 open, and I thank you all for your kind attention. In this National Science Week, we bring together a number of stakeholders from all spheres of our economy under one roof to showcase and explain and let you discover the hidden technology in the gadgets they use. There will be a science career fair where various departments will have one-to-one interaction with students and guide them through the process and requirements of embarking into specific careers. Science and technology are thus our future. And if Mauritius wants to evolve, it should have more scientists and encourage more research in all areas. Il faut motiver l'élève à prendre les sciences. Comment? C'est en rendant la classe intéressante et en, comme si, en les encourageant à poser des questions. Parce que vous savez, les enfants sont nés curieux. Il faut garder, éveiller cette curiosité. Et c'est ça la base qui pousse un enfant vers les sciences. Probablement, ils voient des difficultés, probablement là, avec la réforme, parce qu'ils n'ont pas le temps de vraiment admirer et connaître ce que la nature les offre. Avec la réforme que nous apportons, les professeurs auront beaucoup plus de temps avec les élèves à leur initier à ce goût pour les sciences. Et je pense là qu'il y a beaucoup d'efforts qui se font, d'ailleurs à travers le Rajiv Gandhi Science Center, avec les exhibitions qu'ils font. Maintenant, on propose à ce que les élèves viennent ici. Voyez là le Early Childhood Care and Development Authority. Le ICCIA est en train d'initier les enfants dès le pré-primaire. Il y a eu des workshops avec les enfants au Rajiv Gandhi Science Center, les enfants du pré-primaire. On a eu des workshops avec les parents, avec les mamans, où, comme si on peut utiliser les parents aussi à intéresser les enfants à l'étude des sciences. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se font maintenant là. Et moi, je suis persuadée qu'à l'avenir, il y aura un progrès. On aura beaucoup plus d'élèves. Mais dans les collèges, pensez-vous que la pédagogie est adéquate pour l'écran? Est-ce que les professeurs sont pas trop compliqués? Non, pas du tout. J'étais moi-même prof de biologie. Tout vient dans la façon, bien sûr, que vous enseignez. Il faut garder, éveiller cet intérêt. Il faut s'assurer que quand on enseigne les sciences, on enseigne avec la pratique. Hands-on, comme on dit.